soucieux de donner tous les éclaircissements sur ses propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendu sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer le chef de l'État. Il m'a donné cette opportunité de le rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. Et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ce sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Ben, je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre.